Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour le 28e épisode de Tezo. Pas de générique, vous avez vu? On est des fous, non, j'en ai marre du générique, le mien il est beaucoup trop long. Et puis il me Bien le saoule au bout d'un bonjour. moment. Donc, on va continuer. Ouais, je repars direct. Alors, je me dépêche en fait, je sais pas pourquoi, mais parce qu'on a 20 minutes, mais. Fallait que je lance rapidement la vidéo. Puisque je dois partir bosser tout à l'heure. Et c'est un peu chiant en fait. Je peux aller quelque part. Ah, c'est chiant à chaque fois. C'est loin. Il me dit d'aller par là. Merde, je veux pas la quête du port, moi. Parler. Bon, on va aller voir, je sais pas où ils sont. Voilà, donc je vais essayer de pas trop traîner parce que je suis un peu juste niveau timing. Oui, il est 17h40, faut que je parte à 18h. Absolument. Donc on a quand même gagné une minute. Ah, j'ai plus de vigueur. Donc voilà, donc je voudrais faire. Oh! Ah, j'ai fait mon petit peu l'expérience à me promener. Du coup, je fais mon sparadrap. Pour ceux qui connaissent Noob, la série. Donc moi, générique, quoi, je pense que je m'en ferai un qui dure juste. Allez, 3 secondes. Parce que je fais beaucoup de vidéos. Et si vous voulez regarder les vidéos à la chaîne, c'est très chiant de se retaper un générique de je sais pas combien de temps. Donc là, un petit générique. Tout simple, je verrai. Je suis pas un roi du montage, enfin de création de générique. Je pense que vous l'avez bien vu. Et puis bon, là, si vous regardez à la file, c'est pas plus mal. Voilà. On découvre, putain, on va bientôt passer niveau 10. Parler avec le commissaire Urselmo. Ça ne me dit rien. Donc, il faudrait vraiment que je m'attelle avec la monture, mais le problème, c'est que. Bah, j'ai un peu bloqué. Voilà, je suis en train de former quelqu'un à Feed the Beast de Minecraft. Voilà, avec tous les mods. Donc, c'est évident. Enfin, former, expliquer un peu les détails. Oh, comment j'ai coupé la route! Pardon. Bon, on est super loin en fait. Et j'ai pris le mauvais côté, évidemment. Bah oui, Camille. T'es un peu con-con quand même. Ça, c'est normal. Il y a une route à. Tu ne veux pas? Cool, là tu vas bien. On est pas mal. C'est bizarre quand même, j'ai eu un peu peur. Mais tu m'attaques pas, moi c'est cool. T'es level combien toi? Merde, c'est qui? C'est le niveau 8. Ah, un petit level! Ah, c'est un noob! Moi je suis un bon gros level 9. Et je suis bientôt 10. Quand même, on est bien. Bon, c'est très long en fait la marche. Alors, je suis désolé, en plus je peux même pas vous faire de coupure de marche, etc. Parce que autrement ça veut dire qu'il faut que je tourne plus et j'aurai pas le temps. Donc je vous raconte de la merde en attendant. Ah bah oui. Je peux pas la prendre. Ah, mon inventaire est plein. Merde. J'ai des trucs pourris ou pas? Divers. Ouah, wow, j'ai tout ça. Et ben voilà. Détruire. Dis-moi que j'ai assez de place maintenant. Ok, je ramasse. Mais c'est super grave loin. Ah, fais chier, j'ai plus jamais sur les bonnes touches. Ah, c'est là, d'accord, ok. D'accord, je pouvais pas y aller en fait tout à l'heure, là je sais pas pourquoi. Et là je peux. Enfin me déplacer en tout cas. Voilà, même payer 60 c'est pas grave. Hein, mais. Forcément je me suis tapé le tour de moi-même. M. Il y a un pont. On va prendre le pont, hein. Je connais pas du tout la map alors. Et bah, oui, j'y joue pas assez, c'est ça. Bon, déjà. Déjà, on y arrive petit à petit. Eh, hey, mais pourquoi j'ai pas mon. Mon. Je l'ai pas. Mon fauche clan. C'est ça, yes. Je me range tes armes. Moi. Si j'appuie sur R. Non, ça va sortir mon autre. C'est pas R rangé.
les gaz. Putain, j'ai zéro d'endu, quoi. Enfin, de vigueur. Ah, on s'en approche. T'es même pas tombé avec ça? Ah ouais, mais non, level 15. Mais on n'avait pas dit que c'était pas possible, ça, c'était chaud patate. Tu veux pas tomber? Bon. Level 15 quand même, les gars. C'est chaud. Non, je vais mourir. Ça, j'ai eu un peu peur. J'ai cru que la chute était plus virulente que ça. D'ailleurs, c'est une quête de level combien qu'on est en train de se taper? Une quête de level 15 qu'on avait dit qu'on ne ferait pas. On va quand même la tenter. Là, on a réussi à passer, en tout cas, comparé à la dernière fois où on n'était pas passé. C'est gentil. Allez, on va le tenter quand même. Par les étoiles. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagé de vous revoir. J'espère que vous êtes déterminé. Une longue route nous attend. Écoute, qu'est-ce que je dois faire, Ursel-moi ? Estre a scellé le château à l'aide d'une puissante barrière. Les protections l'alimentent et des Dremora la gardent. Détruisez ces protections et nous ferons choir la barrière. Et comment on fait pour les abaisser, ces protections ? Signen, de la Guilde des Mages, a un projet. Nous avons récupéré cette salle pour accéder à une source de pouvoir magique. Entrez, elle vous donnera la marche à suivre. Ok, bah bon courage au commissaire. Puisse Trinimac guider votre main. Et puissent-ils tous nous protéger. D'accord. Qui sont ces défenseurs? C'est pas des soldats, ouais. Prime Tenure ne doit pas tomber. Nous avons dégainé nos lames les plus acérées. Ces hommes vous intriguent-ils? Les soldats en armure, vas-y, on va le faire. C'est qui les soldats en armure? Ma garde d'élite personnelle. Normal. Nous les appelons les serfs. La reine a ses yeux, j'ai mes serfs. Entre les serfs et les soldats, les plus fines lames d'Oridia sont mobilisées pour faire face à Oblivion. Ouais. Les mages, c'est qui? Les maléficiens de Signen, des mages de la guilde. En temps normal, ils seraient trop occupés à lire un bon livre ou à concocter quelque obscure potion. Bah ben ouais, c'est ça. Mais ils ont fait la fierté de la guilde en nous épaulant. D'accord. Et les Bosmer et les Khajiits? Les hommes de Razumdar, des yeux de la reine. Je sais que vous avez déjà collaboré avec lui. En temps normal, jamais il ne s'exposerait ainsi au regard. Le chat a un jour déclaré « Jamais nous ne tirons l'épée au grand jour ». Pourtant, ils sont là et veillent à ce que nous survivions à cette épreuve. Et oui, et donc tu pourras tenir la position ou pas? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous les avons tenus en respect jusqu'ici. Nous tiendrons bien un peu plus. Concentrez-vous sur ce que Signen a à vous dire. Ouais, c'est chaud quand même, patate pour moi, ils sont plus forts que moi. Bon bah écoute, je te remercie, bisous. Allons voir Signen. D'accord, j'ai cru que j'allais pouvoir passer à travers au final. Signen! Bienvenue à Prime Tenure. C'est un endroit charmant à cette époque de l'année. Ouais, j'ai visité des lieux plus agréables. Bien. J'imagine que vous n'avez pas une centaine d'épées derrière vous, n'est-ce pas? C'est ça. Enfin bref. Il est temps de vous familiariser avec la ville. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Deux protections alimentent la barrière du château. Ici, dans la salle, nous concentrons notre volonté. Nous sommes le fer aiguisé de la lance. Seuls, nous ne pourrons pas faire face au prince des draps. Ensemble, la magie d'Estre n'aura aucune chance. Ok. Et ici, dans la salle, vous allez pas m'accompagner? Vous êtes plutôt malin. Nous devons rester ici pour alimenter le rituel. Agissez au nom de notre objectif, tel notre agent du monde. L'objectif. Prenez ce talisman. D'accord. Trouvez les protections. Vous en trouverez une à l'est de la ville, l'autre à l'ouest. Concentrez-vous sur l'objectif. Nous nous chargeons du reste. Je ferai de mon mieux, Signen. Souvenez-vous, le rituel prendra un petit moment avant d'agir. À votre place, je me chargerai d'abord des draps. Tout du moins si vous ne voulez pas être dévoré. Oh, et dites bonjour à Hadzi de ma part. Ok, bah Razumdor, il est là-bas. Et comment? Razumdor. Ursel Mo ne vous a rien dit? Non. Il essaie de repérer des points faibles dans la barrière.
Quand elle tombera, il sera le premier à réagir. À votre place, je le chercherai dans la cour intérieure. Ça marche. Après votre victoire. Okay. Après, ah d'accord. Bon bah ok. Bon bah on repart. Détruisez la porte ouest et détruisez la porte... La protection plutôt. Et c'est ouest. Et ça pue du cul puisque je suis tout seul. Salut. Pour prendre l'avantage. Je veux pas prendre l'avantage. Je veux juste aller les détruire là. Je suis un peu chaud niveau... Succès. Plus yes. Qu'une barrière. C'est chaud patate puisque j'ai pas du tout le level. Hein. Et rappelez-vous la dernière fois ce qui s'est passé quand j'avais pas le level. Je vois pas mon sort retomber, c'est quoi ce délire? Il est insensible. Ok, ça va. Ils sont deux, là ça va puer du cul. Eh, sans déconner. Oh. Ah oui, 973. Je vais aller à l'oratoire, hein. Je vais pas les remplir, je vais éviter, je vais les garder un peu. L'oratoire, on est parce qu'on n'est pas super long au final. J'ai l'air d'une informatrice. Non mais on s'en fout de toi. Complètement. Bon ça va aller, on n'est pas loin, c'est l'avantage. Ouais je vais pas bouffer une pierre juste pour ça. Hein. Je suis encore un vieux pauvre clochard là. Salut. Salut. Ça veut pas retomber. Oh là, il y a encore un qui arrive. Et voilà, et 2-1. Ah putain, il évite mes sorts l'enfoiré. Ah voilà. Ah tu recules hein. Voilà, bon. Je suis content quand il y a un copain avec moi quand même. Parce que je fais pas le mariage. Oh là là là, ils sont deux là. Bon déjà bah toi forcément. Non 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 non, va pas trop loin toi. Ok, je vais attendre de revenir avec ma magie et on va y aller à l'assaut avec le. Avec mon invocation là. Parce que c'est un peu trop chaud. T'es full life. Allez, remets-toi en vie. Je vais commencer par le cac. Je crois que c'est plus dur en fait le cac. Parce que moi... Passe, mais passe. Oh, tiens, comment c'est chaud, bordel. Vas-y, dis-moi qu'il n'y a pas d'ennemis. Hein. Ah, il sépare toi, c'est une bonne idée. Ah.
Merci, je sais pas qui tu es. De l'avoir fini avec moi. Les barrières sont abaissées. Trouvez Razumdar. Allez, Razum. Il fera avancer. Bon, bah, je vais suivre toi. Tu as l'air de savoir un peu où tu vas. Ah, quoi que, non, pas spécialement. Tu sais pas plus que moi. Les portes de Belvion. Razum. Mon ami, c'est bon de vous revoir. Votre talisman ? Razumdar voit que vous avez rencontré Signe. Bah oui. Elle est d'humeur joyeuse, n'est-ce pas ? Très. Et la suite du plan ? Nous allons prendre d'assaut le château et le royaume au-delà. Estre doit être furieuse. Elle s'est accoquinée avec Dagon et maintenant... Maintenant, plus rien ne se dresse en travers de notre route. Allez, un petit level 10 ? Estre est vulnérable, mais Tamriel est toujours ouverte aux terres mortes. Oui. Il faut y mettre un terme. Nous devons fermer ces portails et mettre fin à la menace des Dédras. Yes. Qu'est-ce que j'ai comme avantage ? Comment faut-il s'y... Invocation d'Atronach de Foudre en deux. Comment faut-il s'y prendre ? Chaque passerelle est ancrée dans notre monde par une pierre sigillaire. Traversez le portail, trouvez la pierre et détruisez-la. Raz suppose qu'elles doivent être gardées. D'accord, il va donc me falloir être prudent. Parfaitement, mon ami. Ouais. Bonne chance. Raz rejoindra Urselmo et les autres pour s'assurer que Prime Tenure soit toujours là quand vous reviendrez. D'accord, bonne chance, Razumdar. Maintenant que vous avez atteint le lieu, vous pouvez accéder au champ de bataille. Si j'y ouvre l'onglet, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. J'ai obtenu un point de compétence. Fermez le portail 0 sur 3. J'ai un point. Oh ! Occlusion, c'est lequel ? Suis-je dont je ne me sers jamais. L'invocation, malédiction, j'ai pas spécialement envie. Appel à la tempête. Oh la vache, je suis là, ouais. Surcharge, ça fait, je sais plus. Donc on va se mettre furie du mage évolué. Inflige davantage de dégâts ou les coups fatal, ça se dit pas. Rand, vous récupérez 610 de magie pour un coup fatal, mais là je fais plus de dégâts, ouais, je DPS plus. Ouais, je vais prendre plus de... Yes. Ensuite, mon personnage, qu'est-ce que j'ai? J'ai un point de carac, dont... Yes. Voilà, je suis pété. Donc il y en a un portail à fermer ici, donc je ne sais pas comment... Vous avez reçu un courrier. J'aurais peut-être pas dû y aller, j'aurais peut-être dû lire mon courrier avant. Bravo, vous avez atteint le niveau 10, voici une monture cadeau, j'aurais bien aimé ça. Mais m'en fous un truc pourri quoi. Juste qu'il va un peu plus vite que à pied quoi. Allumez les bras zéro pour dissiper la barrière. Ah putain, Vic, t'es gourbe. T'es level combien toi, Vips? 12, d'accord. Putain, j'ai vraiment pas le niveau quoi. Pourquoi il est pas avec moi? Tiens, tiens, mais que voilà. Un agneau qu'on envoie à l'abattoir. Vous osez défier le pouvoir de Mérunes Dagon? Ah putain! Atronach de flamme, protégez-moi! Estre, vous allez trop loin. Allez, allume-toi. Yes. Bon, mais écoutez, il nous reste 30 secondes. Le temps de se faire tous un bisou s'il se passe rien. Mais il se passe du chargement déjà. J'ai presque envie déjà d'aller me préparer. Ah, merde. Oh non, pas ma bouteille de coca, elle va mousser. Elle est tombée. Fermez le portail. Eh ben on va s'arrêter là-dessus en tout cas. Ici on est pas mal. On a pris pas mal de level.
Et le courrier. Si on dit vous attend, Katon, nos exploits en Tamriel ont été remarqués, nous avons besoin de guerriers vous en... De votre calibre sur les champs de bataille de Cyrodiil. Mais attention, les vétérans de la guerre de l'Alliance. Ok. Mais on s'en fout. Ça, je ne veux pas. Allez, dehors. Merci. Voilà, c'est sympa. Allez, rendez-vous. Je ne sais pas quand je dis. Vendredi matin. Allez, ciao tout le monde. Ouss.